Good morning, Aleid El Nesus aujourd'hui, Lelo Nishmat Moshe Michael Ben Alin Rachel Bachla, Peggy Bat Esther, Robert Baruch Ben Jamil Taraba Cohen, David Ben Fordo Mazal Fritna, Lucien Batreina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions le Sechat Sotapri Gimel Mishnah Zain, Bat Israël Shinisat le Cohen, Minchata Nisrefet, Ve Cohen et Shinisat le Israël, Minchata Nechelet. Ma ben Kohen le Kohenet, Minchat Kohen Nechelet, Minchat Kohen Kohenet, Minchat, je recommence, Minchat Kohenet Nechelet, Minchat Kohen Eina Nechelet, Kohenet Mitchalelet ve Kohen en Mitchalel, Kohenet Mitam'a le Mitim, ve en Kohen Mitam'a le Mitim, Kohen Ochel be Kodesh Kodeshim, ve en Kohenet Ochelet be Kodesh Kodeshim. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait évoqué une halakha particulière. De la mincha d'une femme Kohen. Que quand un Kohen est marié avec une femme sota qui la porte, alors sa mincha ne peut pas être consommée. Du coup, suite à ça, on va entrer dans notre Mishnah à comparer la lachot qui incombe aux hommes Kohen et pas aux femmes Kohen. C'est ce qui va se passer, mais d'abord avec une première phrase d'abord qui va un peu répéter ce qu'on a vu précédemment avec une petite nuance quand même, mais que Bat Israël, on va parler en général de toutes les mincha qu'une femme va apporter. Lorsqu'une femme, alors il faut savoir, je rappelle le principe, lorsqu'on apporte une mincha, une oblation de blé au Beth Amikdash, lorsque c'est un Israël qui l'apporte, alors il apporte la mincha, il l'offre, le Kohen, quand il reçoit la mincha, il va prendre un kometz, une pincée avec les trois doigts, comme ça, il la jette sur le misbeach, et le reste est consommé par les Kohanim. Mais lorsque c'est un Kohen qui apporte une mincha, il y a une halakha particulière, que toute la mincha, il faut la brûler sur le misbeach. On avait déjà évoqué le principe, l'idée, qui est derrière ça, c'est que on apporte un cadeau au roi. Donc, quand on apporte au roi, le roi il reçoit sa petite pincée et il donne le reste à ses ministres. Mais lorsque le ministre il apporte un cadeau, alors le roi il va pas prendre une petite pincée, et il va rendre au ministre tout le reste. Sinon le ministre il a fait aucun cadeau. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que les Kohanim spécialement, lorsqu'ils apportent une mincha, il faut tout brûler sur le misbar. Ça c'est le principe général. Suite à ça, on va s'adresser à comparer une femme Israël mariée à un Kohen ou une femme Kohenette mariée à un Israël. Selon ce même principe, lorsqu'on va avoir une bat Israël chez Nisette le Kohen, une fille Israël qui est mariée à un Kohen, aujourd'hui cette femme-là, elle est Kohen. Alors, dans ce cas-là, Minchatan Israël, sa Mincha va être brûlée intégralement sur le misbéach, parce que maintenant, une femme, quand elle est mariée à un Kohen, elle devient le Kinyan, le bien du mari, parce qu'une femme, c'est le bien de son mari, elle est achetée par le mari, achète une femme. Lorsqu'il se marie avec une femme, il l'achète, il l'acquiert, le Kiddushin. Et dans ce cas-là, sa femme devient une Kohenette maintenant. Elle prend un statut de Kohen. Dans ce cas-là, sa mincha ne peut plus être consommée par les Kohanim, il faudra la brûler intégralement. À la différence du cas où Vekohenet, Chenisset, d'Israël, si c'est une femme de Kohen qui est mariée à un Israël, une femme de Kohen, une fille qui est Kohen, excusez-moi, une fille qui est née Kohen, qui est mariée à un Israël, aujourd'hui elle a un statut de Israël, dans ce cas-là, Minchata Nechelet, sa mincha sera consommée. Et du coup, on compare. Ma ben Kohen et Kohenet. Quelles sont les halachot différentes entre le Kohen et la Kohenet? Qu'est-ce qui incombe au Kohen et qui n'incombe pas à la femme qui est Kohen? De manière générale, soit ça peut être une femme d'Israël qui est mariée au Kohen, soit ça peut être encore une fille de Kohen aussi, c'est le même principe. Une fille, la fille d'un Kohen qui n'a pas été mariée pour le moment, elle a un statut de Kohenet. Qu'est-ce qui incombe concrètement? On retenait le principe. Une Kohenet, elle n'a pas un statut de Kohen, tout simplement. Donc tout ce qui incombe au Kohen, ça n'incombe pas à la fille Kohen. En l'occurrence, la Mishnah va nous le préciser. Minchat Kohenet ne'echelet. Minchat Kohen eina ne'echelet. Une fille Kohenet, alors sa mincha sera consommée. Elle peut être consommée parce que ce n'est pas une Kohenet. Tandis que Minchat Kohen eina ne'echelet. Une mincha d'un Kohen n'est pas ne'echelet. Ok? Premièrement. Deuxième différence. Kohen et mitchalelet, ve Kohen en mitchalelet. En mitchalel. Là, on va parler de mariage interdit. Vous savez qu'un Kohen, il a pas le droit de se marier avec une divorcée, par exemple. Pendant que le Kohen, il est marié avec la divorcée, il n'a plus le droit de travailler au Beth Amikdash. Il divorce la femme, il a le droit de revenir au Beth Amikdash. D'accord? Le Kohen ne devient pas halal. Il ne devient pas profane par le fait qu'il a eu une relation interdite. Il est, pendant qu'il est en matzav, en situation de relation interdite, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Il divorce, il revient. À la différence d'une femme Israël, ou même Kohenet, même principe, qui va avoir un rapport interdit, ça peut être un rapport avec un goy. Vous savez qu'une femme qui a eu un rapport avec un goy, même quand elle n'était pas mariée,
elle ne peut plus se marier avec un Kohen, elle prend un statut de Zona, elle devient un Halala. Et alors, dans ce cas-là, la Mishnah me dit, une Kohenet, elle est Mitralelet, une Kohenet, elle devient Halala, et depuis le moment où elle devient Halala, c'est fini, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Tandis qu'un Kohen, un Mitralel, un Kohen ne devient pas lui-même Halal, ne devient pas profane, s'il quitte l'interdit dans lequel il vit, il pourra revenir et redevenir un Kohen tout à fait normal. Ouais. C'est-à-dire, on va plus illustrer ça. Un Kohen qui se marie avec une femme divorcée, il va avoir des enfants. Tant qu'il est avec la femme, il n'a pas le droit lui de faire la Avodah Betamigdash, ni de faire la Birkat Kohanim, ni rien. Pour le moment, il est avec une femme divorcée, ça sourd, et la Torah, elle l'a considéré comme pour le moment profané. Dès qu'il va divorcer sa femme, lui, il a le droit de faire la Betamigdash. S'il a eu des enfants avec cette femme-là, ses enfants, ce sont des Halalim. C'est des Kohen Halal, ils n'ont pas le droit de faire la Avodah, il restera l'alim pour l'éternité. Là, on ne compare pas le père avec le fils, on compare en fait l'homme Kohen avec la femme Kohenet, comme on a dit. La femme Kohenet ne peut devenir halala tandis que le Kohen ne devient pas halal. Kohenet mitam'a la metim, ven Kohen mitam'a la metim. Vous savez bien qu'un Kohen n'a pas le droit d'entrer au cimetière, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Il n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort. Et bien, une femme de Kohen a le droit, ou une Kohenet, elle a le droit de rentrer au cimetière sans aucun problème. Kohen ochel bekoche kodashim, ven Kohenet ochelet bekoche kodashim. Le Kohen, au Beth Amikdash, parmi les commandantes qu'on fait, il y a des commandantes qu'on s'appelle Kodesh Kodashim et des commandantes qu'on appelle Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, c'est des Kodashim simples, qu'ils peuvent en général même être consommés par un Israël dans la pureté, à l'intérieur de tout le monde. Tandis que les Kodesh Kodashim, qui sont des Khatot et la Shamot, et la Ola, mais là c'est pas le cas, on parle pas de la Ola, qui peuvent être des Khatat ou Hasham, ils sont consommés par les Kohanim. Où sont-ils consommés par les Kohanim? Dans la Hazara. Ils n'ont pas le droit de les sortir en dehors de la Hazara. Ils ne peuvent pas les manger dans tout Yerushalayim, à la différence de Kodashim Kalim. Alors, ces mêmes korbanot qu'on appelle donc la famille des Kodesh Kodashim, des Super Kadosh, Khatat et Hasham, alors ils peuvent être consommés par les Kohanim, un Kohen, même un Kohen qui a un moum, qui a un défaut, il est encore kasher, mais ils ne peuvent pas être consommés par une Kohenet, une femme, même une femme de Kohen, en aucun cas, elle n'a pas le droit de manger les Kodesh Kodashim. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.